Seigneur Jésus, donc nous allons parler du thème les rouages de la sanctification selon la saine doctrine. Les rouages de la sanctification selon la saine doctrine. C'est-à-dire les rouages, c'est-à-dire tout ce qui compose la sanctification, tous les éléments qui maintiennent la sanctification, qui définissent la sanctification, ou bien le domaine de définition de la sanctification. Selon la saine doctrine. Alléluia. La saine doctrine, d'abord, c'est le vrai enseignement. Quand on dit saine ici, c'est le vrai enseignement. L'enseignement authentique. La saine doctrine est le vrai enseignement. La saine doctrine est l'enseignement authentique. La sainte doctrine est l'enseignement pur. L'enseignement approprié. Est-ce que vous notez? L'enseignement approprié. Ce qui est approprié. Ce qui est exigé. Ce qui est digne d'être enseigné. C'est ça la sainte doctrine dans sa définition littérale. Vous allez voir même ceux qui sont dans le monde là. Eux aussi disent sainte doctrine. Vous n'avez pas entendu une fois? Qui a entendu une fois? Ah, l'État aussi, la loi de la constitution qu'ils ont adoptée, et aussi la loi civile les droits administratifs, tout ça. C'est la sainte doctrine pour eux. Ils sont de la sainte doctrine. Est-ce que vous me comprenez? Eux aussi, pour eux, ils se disent que c'est la saine doctrine. Et ils disent les valeurs fondamentales. Le droit, c'est-à-dire reconnu par la loi, par l'État, voté et validé, pour eux, c'est la saine doctrine. Donc, et cette saine doctrine, pour eux, compose toutes les lois. Les constitutions, les droits, comment juger, comment en fait tout là, comment les citoyens doivent. Vous voyez, un pays a des règles, non? Chaque pays a des lois, des règles établies, des constitutions, des décrets, etc., qui deviennent des lois, etc., etc. Est-ce que vous voyez? Donc, tous ceux qui sont dans ce pays sont soumis à ces lois. Et ces lois auxquelles ils sont soumis sont des lois appelées doctrines. Selon leur manière, ce sont des pratiques, des notions essentielles qui régissent la relation des citoyens, ou bien qui régissent le comportement civique des citoyens dans un pays. Ça, c'est la doctrine des pays. Et pour eux, c'est la sainte doctrine. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand on dit sainte doctrine, d'abord, c'est l'explication. L'enseignement authentique, approprié, véritable, vérifié. Ce n'est pas le contraire de sainte doctrine, c'est quoi? Enseignement falsifié. Est-ce que vous me comprenez? L'enseignement qui est contraire à la sainte doctrine vient, l'expression qui est immédiatement contrariée à la sainte doctrine, c'est l'enseignement c'est-à-dire falsifié. L'enseignement dilué. Est-ce que vous voyez? L'enseignement altéré, c'est-à-dire diminué, dévalorisé. L'enseignement mélangé. Le blé et l'ivraie ensemble.
l'enseignement impur. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est le contraire de sainte doctrine. Maintenant que nous sommes, quel est notre pays? Le pays dans lequel nous, enfants de Dieu, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Est-ce que nous sommes citoyens d'un pays physique? Mais en Jésus, nous sommes dans quel pays? Non, pas seulement la sœur. Quel est notre pays? Est-ce que nous sommes citoyens de quel... Nous avons quelle nationalité? Oui, maman? Citoyens célestes. Acclame le Seigneur pour sa vie. Donc, nous sommes des citoyens célestes. Donc, nous sommes physiquement sur la terre, mais en esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous sommes des citoyens célestes. Donc, ceux qui sont citoyens célestes et qui vivent physiquement sur la terre sont passagers. Nous ne sommes pas éternels physiquement sur cette terre corruptible. Mais nous sommes dans un monde éphémère. Un monde éphémère. Donc, comme nous sommes célestes, Dieu nous a juste envoyés dans ce monde éphémère comme des ambassadeurs. Un ambassadeur fait quoi? Un ambassadeur reçoit une mission. Il est d'abord d'un pays et il s'en va vers un autre pays pour accomplir une mission de la part de ce pays et représenter le pays d'origine où il est. Dans un autre pays où il va. Dans le pays de destination. Donc, toi et moi, nous ne sommes pas terrestres. Mais notre pays, c'est le ciel. Est-ce que vous comprenez? Ton pays, c'est le ciel. Notre pays, c'est le ciel. C'est notre nationalité. Nous sommes célestes. Ceux qui sont béninois, ceux qui sont du Bénin, leur pays, c'est le Bénin. Ils sont de nationalité béninoise. Parce que nous sommes sur la terre, il y a un corps corruptible. Nous avons la nationalité terrestre. Mais en réalité, parce que nous ne sommes pas terrestres d'origine, notre nationalité est céleste. Mais parce que nous avons été envoyés sur la terre, nous sommes physiquement dans ce corps-là. On nous voit comme terrestres. En réalité, notre origine n'est pas terrestre. Nous sommes du ciel. Acclame le Seigneur Jésus parce que tu es du ciel. Maintenant, la sainte doctrine dont nous parlons là, ça régit ton comportement en tant qu'un membre du citoyen du ciel sur la terre. Comment un citoyen céleste sur la terre doit se comporter pour appliquer les méthodes, les lois célestes sur la terre? Est-ce que vous me comprenez? Comment tu peux être céleste sur la terre et ne pas être en même temps céleste et terrestre? Comment tu peux être sur la terre mais être un homme céleste? C'est ça la saine doctrine. Est-ce que vous comprenez? Or, ce qui est céleste est saint. Ce qui est céleste est pur. Donc, la sainte doctrine régit quoi? Comment nous devons nous comporter pour être agréable à Dieu étant des citoyens célestes? Qui est le président du ciel? Jésus. Pas la haute voix. Qui est le président du ciel? Voilà. Donc, si Jésus-Christ est le président du ciel, alors nous sommes soumis à la loi, au décret que ce président a signé. Donc, si nous voulons marcher avec Jésus, nous devons être obéissants au décret que Jésus a signé pour tous les citoyens du ciel. Est-ce que vous me comprenez? De la même manière que le chef de l'État béninois a pris des décrets. Et aussi, les députés ont voté des lois. C'est de cette même manière que Jésus-Christ, le président du ciel par excellence, a pris des décrets que nous devons mettre en
pratique. Et ces apôtres, les apôtres de Jésus-Christ, les apôtres de Jésus-Christ et les prophètes de Jésus-Christ sont comme des députés. Des députés qui ont voté des lois qui sont conformes au décret et à la volonté de Jésus-Christ qui est le président. Ou bien j'utilise un langage dur. Utilisez un langage dur. Ici, je parle terre à terre. On est ensemble. Voilà. Alléluia. Alléluia. Acclame le Saint Jésus. Donc, Jésus-Christ est le président. Les apôtres, les prophètes qui nous ont devancés, qui ont posé le fondement, sont comme les députés. De la même manière que les députés votent des lois qui doivent être orientées dans le but de la direction et de la législation du pays. C'est de cette même manière que, étant membre du ciel, Jésus-Christ est le président. Il a voté, signé des décrets sur nous. Les apôtres et les prophètes qui ont posé le fondement de la parole de Dieu, de la doctrine, ils sont les députés qui ont voté des lois pour nous, que nous devons pratiquer, nous devons respecter. Nous devons observer. Et aujourd'hui, il y a des ministres de ce pays qui sont les serviteurs de Dieu. Les ministres, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les saints ministères sont les ministres qui nous rappellent les lois que les députés qui sont les apôtres et les prophètes de la Bible ont voté. Est-ce que vous comprenez? Donc la sainte doctrine, c'est quoi? L'ensemble des enseignements des apôtres, des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Pourquoi on dit Jésus est la pierre angulaire? Parce que c'est lui le président. C'est lui qui signe le décret. C'est lui qui a décrété que tu dois faire ça, tu dois obéir, tu dois te sanctifier, tu dois lever le bouc d'oreille, tu dois faire ça, c'est Jésus qui a décrété. Ce n'est pas les apôtres, les prophètes, mais c'est Jésus. Maintenant, les apôtres et les prophètes ont reçu l'ordre de voter, de donner des exigences. Voilà comment ça va se passer. Est-ce que vous me comprenez? Voilà comment ça va se passer. Donc ceux-là, en réalité, sont les prophètes. Qui ont et les apôtres qui appuient ce que Jésus-Christ a dit. Et les serviteurs de Dieu qui sont les ministres aujourd'hui, les saints ministères, les apôtres, les prophètes, tout ça, sont en train de confirmer ce que les apôtres, les prophètes, dont Jésus-Christ, la pierre angulaire, a dit dans la Bible. Donc, ça, c'est la parole de Dieu. Et tout ce que nous devons retenir pour être sauvés, c'est la sainte doctrine qui est la loi parfaite de Dieu. Voilà en quoi consiste la sainte doctrine. Maintenant, nous allons parler de la sanctification selon la sainte doctrine. J'ai dit que Jésus-Christ est le président. Ce que le président veut pour les citoyens du ciel, c'est de faire quoi? Quel est ce que le président veut pour les citoyens? D'ailleurs, même le ciel est comment? Comment est le ciel? Qui peut me dire, décrire un peu le ciel? Comment le ciel est? Comment est le ciel? Comment est le ciel? Quelqu'un peut me dire? Quand on dit ciel en même temps là, toi, en même temps, tu imagines quoi? En quoi ton esprit? C'est-à-dire, où ton esprit va quand on dit ciel? Attends, non. Oui, Sainte Marie, je viens. Ah, la Sainte Marie a dit quand on parle du ciel, en même temps c'est la sainteté. Oui, notre frère, rappelez-moi votre nom. Voilà. Lorsqu'on parle du ciel, je vois déjà Jésus-Christ, le lieu où il demeure, et il a déclaré, il est saint. Tout son entourage doit être saint. Ah!
Donc, le bien-aimé a dit que quand on parle du ciel, il voit directement Jésus-Christ dans sa demeure en tant que saint. La sœur Marie a dit, quand on dit ciel en même temps, allons voir cette étude. Allons dans les Écritures. Ésaïe 6. Lisez-moi Ésaïe 6. À partir du premier verset. Ésaïe 6, à partir du premier verset. Assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient. Saint, l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Alléluia. Et moi, François, l'éternel est armé. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Tenant la main une pierre ardente. Il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Alléluia. C'est bon. Acclame le Seigneur pour sa parole. Donc, Ésaïe est un homme sur la terre. Mais Dieu va lui transporter son esprit pour lui montrer quelque chose de glorieux. Il va lui montrer quelque chose qui se passe au ciel. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et ce qui va être marquant dans ce passage, à cause de la gloire du Seigneur, tous les séraphins, qui se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler, criaient l'un à l'autre. Saint, est l'éternel des armées. Donc, le président du ciel, le président de cette patrie qui est le ciel, il est comment? Il est Saint. Maintenant, Ésaïe est semblable à. C'est-à-dire, quand nous voyons Ésaïe ici, Ésaïe représente selon, c'est-à-dire ici, il est comme l'ombre de tous les hommes sur la terre qui n'ont pas encore été expiés de leurs fautes. Est-ce que vous comprenez? Je reprends.
Esaïe ici est l'ombre des hommes perdus qui n'ont pas eu la, le reflet de la gloire de Dieu, qui n'ont pas encore reçu la sainteté de Dieu. Selon ce qu'on comprend ici, on voit que Israël est l'ombre, Esaïe plutôt, est l'ombre de ceux qui n'ont pas encore reçu l'expiation, la purification, et qui sont encore dans le péché. Parce que aucun homme ne peut résister devant la sainteté de Dieu. Et l'apôtre Jean va dire dans le livre de 1 Jean, 1 le verset 7, 1 Jean, même avant le verset 6, même, allons-y. Jean 1, le verset. Oui. 1 Jean 1, le verset 6, voilà. 1 Jean 1, à 7, oui. Verset 6, à 7. Je dis au nom de Jésus. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Venez sur le 8. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Alléluia. La sanctification commence par la connaissance de Dieu. Esaïe est le symbole ou bien d'un homme pécheur qui n'a pas encore connu Dieu dans sa gloire. Donc, l'homme sans la connaissance de Dieu ne sait pas qu'il est pécheur. Est-ce que vous me comprenez? Sans connaître qui est Dieu, sans connaître Dieu, tu ne peux jamais savoir que tu es pécheur. C'est lorsque tu rencontres Dieu que tu te vois impur, parce que Dieu est saint. Quand Moïse va rencontrer Dieu et lors du buisson Adam, lorsque le Seigneur lui donnait l'ordre d'aller parler à Pharaon, de libérer le peuple, il se voyait impur, il se voyait un homme qui n'a pas la bouche facile, un homme qui est incapable devant Dieu, devant la gloire de Dieu, devant la sainteté de Dieu. Donc, la sanctification commence par la connaissance de Dieu. Notez. La sanctification commence par la connaissance de Dieu. Il faut connaître d'abord qui est Dieu, son état. Qui est Dieu? Dieu est saint. Quelle est la nature de ce Dieu? C'est Jésus-Christ. Celui qui est assis, le roi éternel qui est assis sur le trône, au troisième ciel, qui règne en tant que Dieu. Qui est-il? C'est lui, Dieu saint. C'est lui, Jésus-Christ, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant. C'est ça la sanctification. C'est par là la sanctification commence. C'est pourquoi quand nous allons prêcher Christ, nous montrons païens qui est Jésus. Est-ce que vous me voyez? Vous me comprenez? Nous les montrons qui est Jésus-Christ. Qui est Dieu? Parce que beaucoup veulent se sanctifier. Les hommes veulent, d'ailleurs même, Dieu a créé l'homme esprit, âme et corps. Et tout esprit humain recherche Dieu. Tout esprit d'homme cherche à croître dans sa relation avec Dieu. Mais qu'est-ce qui empêche les hommes d'être saints, de parvenir à la sanctification, à la sainteté? Malgré qu'ils ont un esprit qui les rappelle la pensée de Dieu. Allons-y dans Ecclésiaste 3, le verset 11. Je vais vous expliquer quelque chose. Ecclésiaste 3, le verset 11. Oui. Acclame le Seigneur Jésus. Il est en train de nous montrer vraiment, il veut nous amener à une nouvelle dimension.
Mais ça doit commencer par la connaissance de la vérité. Ecclésiaste 3:11. Je lis au nom de Jésus. Il fait toutes choses bonnes. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Oui. Même il a mis dans le cœur. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bien que l'homme ne peut saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Ça, c'est un autre enseignement. Mais à ce niveau, je tiens à vous dire que même que l'homme est créé sans connaître Jésus dans son parcours. L'œuvre de Dieu qui opère du commencement à la fin, c'est Jésus-Christ qui le fait. L'œuvre que Dieu opère du commencement à la fin, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le commencement et la fin. Donc, en réalité, ce que Christ est en train de dire en parlant du commencement et la fin, il s'agit de Jésus-Christ. Changez la partie où on met commencement et fin et mettez Jésus-Christ. Vous allez voir, vous allez comprendre clairement ce que Sandro dit. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Par Jésus-Christ. Donc, même que l'homme ne peut. Donc, Dieu là, il n'a pas tenu compte de Jésus-Christ avant de créer l'homme. Et il y a un esprit éternel. Parce que vous voyez, tout homme a un esprit éternel. Est-ce que vous me comprenez? Même ça, la connaissance de l'œuvre que Dieu fait par Jésus-Christ. Quelle est l'œuvre que Dieu fait par Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ qui est celui qui va sanctifier l'homme. Pour que l'homme parvienne à la sainteté de Dieu qu'il n'avait pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est Jésus-Christ qui donne la sanctification. Donc, sans connaître même Jésus-Christ, Dieu a mis un esprit éternel dans l'homme. Et l'homme, même dans son état de péché, sans connaître Christ, cherche à être agréable à Dieu. Parce que l'esprit qui est en lui, c'est l'esprit éternel, la pensée de l'éternité. Malgré même que cette pensée qui est en lui n'est pas associée, liée à Christ, parce qu'il n'a pas encore cru en Jésus-Christ, l'esprit humain le pousse à chercher Dieu, à marcher selon Dieu. Et c'est ce qui pousse beaucoup de païens à aller faire quoi? À aller chez les marabouts. Parce qu'il y a un esprit en eux qui les montre qu'il y a une divinité supérieure à leur nature d'homme. Vous me comprenez? C'est pas que Dieu pousse l'homme à aller commettre l'idolâtrie, non. Mais l'esprit qui a l'homme le met inférieur à Dieu. Parce que l'esprit que nous avons a été tiré de la source qui est Dieu, a été tiré de Dieu. Nous sommes tirés de Dieu, nous étions esprits dans l'éternité. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'esprit humain, elle, ça dit, cherche Dieu. Mais lorsque toi tu cherches Dieu, si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu n'as pas connu Jésus-Christ, c'est là que tu vas tomber sur le chemin des marabouts. Tu vas tomber dans les religions païennes. Toujours en cherchant Dieu. Tu vas tomber dans les églises fausses. C'est les faux prophètes. Qui a vécu ça ici? Qui a vécu ça ici parmi nous? Qui peut dire? Qui est en train de chercher Dieu, mais qui est tombé dans les fausses églises? C'est les marabouts, dans les fausses religions. Vous levez les mains. Ça, c'est les choses anciennes sont passées, mais nous voulons comprendre quelque chose. Oui? Avant de venir à Jésus revient, j'ai prié dans une église à Voilage. J'étais en rédime. J'étais Wina. Alors j'ai pensé que c'est la vraie église. Voilà. Mais je sentais toujours chercher quelque chose. Voilà. Comment je vais l'obtenir? C'est quand je sortais d'Égypte et j'ai vu dans le rêve quelqu'un qui dit: maintenant, tu vas rencontrer l'âge. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa vie. Donc, ce
sont les hommes qui montrent que l'esprit de l'homme cherche à découvrir Dieu. Mais malheureusement, comme tous les hommes n'ont pas encore connu la vérité, ils ne sont pas encore sanctifiés. Sinon, l'homme veut, il veut la sanctification. Aucun homme, Dieu lui-même a mis à l'homme la pensée de l'éternité. Sans même la connaissance de Jésus-Christ qui œuvre, non, ils ont cet esprit. Maintenant, quand l'homme reconnaît son l'homme va, c'est-à-dire quand l'homme rencontre Dieu, quand Dieu se révèle à l'homme, quand Dieu. L'homme a la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre à l'homme de reconnaître son état de péché. C'est l'histoire de Ésaïe. Ésaïe, lui aussi pensait être agréable à Dieu, non? Alors, je suis prophète, et je prophétise. Mais lorsque Dieu a transcendé son esprit pour qu'il voit la gloire de Dieu dans le troisième ciel, lorsqu'il va voir, il se voit inférieur, incapable. Donc moi, je me disais que j'étais saint, j'étais prophète, je recevais de Dieu, mais en réalité, j'étais pécheur. Parce qu'en voyant la sainteté de Dieu, il se voit incapable, faible, réduit à rien, comme un néant. Donc, la sanctification commence par la connaissance de Dieu d'abord. Nous allons expliquer. Donc, la sanctification commence par la connaissance de Dieu. Donc, si tu ne connais pas Dieu, qui est réellement Dieu, la nature même de Dieu, tu ne peux pas vivre une vie de sanctification. Donc, vous allez comprendre cela maintenant même. Donc, qui dit, l'Écriture dit dans Jean 1, le verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Or, la lumière, c'est Jésus-Christ. Ça montre que la vérité et la sanctification, la communion commence par la révélation sur Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre la sanctification sans avoir la révélation de celui qui accorde la sanctification. Ce matin, tu reçois la révélation. Tu reçois la révélation de qui est la sanctification même. Parce que Dieu lui-même là, Dieu lui-même est saint. Mais il ne fait rien lui-même. Il utilise qui? Il utilise c'est-à-dire sa droite. C'est sa droite qui opère toutes choses. Et qui est la droite de Dieu? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit toute chose bonne du commencement à la fin. C'est-à-dire Dieu veut, Dieu opère dans le temps où nous sommes depuis la création jusqu'à la fin du monde par Jésus-Christ. Par Christ. Dans le temps où nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, l'Écriture va nous dire dans le verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Ésaïe a reconnu. Et c'est là-bas. Donc, ça montre que c'est des étapes. La sanctification commence par la connaissance de Dieu, qui est la vérité. Après la connaissance de Dieu, qu'est-ce qui intervient? Qu'est-ce qui intervient? Dans le verset de Ésaïe 6. Oui, non, pas les mêmes personnes. Oui, notre soeur, lève-toi. La purification. Qu'est-ce que quelque chose vient selon Ésaïe 6 avant la purification? Il a dit, j'ai déjà dit ça dans mon explication. Hein. J'ai dit la connaissance de Dieu, c'est la première étape. Après ça, qu'est-ce qui vient dans le cœur de l'homme? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. La conviction du péché, comme le frère l'a dit, ou bien la reconnaissance de son état de péché. Ou bien le regret, ou bien la repentance. La repentance. Cette conviction amène à la repentance. Donc nous disons que la connaissance de la vérité nous amène à la repentance. Parce que c'est Dieu qui nous accorde cette repentance si nous reconnaissons sa nature.
Donc tout homme, quand il connaît que Dieu est saint, il se voit pécheur. Il a le regret du péché. Et ce regret du péché amène une repentance à salut. Une repentance qui le pousse au salut. Maintenant, Dieu va voir si ton cœur est sincère. Si ton cœur a le regret réellement, il t'accorde la purification, comme la seule a dit. Il purifie tes péchés ou expie. Il enlève ton iniquité et expie ton péché. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Maintenant, allons-y dans le livre de Jean 17, 3. Jean 17, le verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, et celui que tu as envoyé, c'est toi, Christ. Ah, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est la, la destination que Dieu a prévoir pour tout homme. Quand Dieu met la pensée de l'éternité à l'homme, c'est pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle. Mais sans Jésus-Christ, l'homme ne peut pas avoir cette vie éternelle. C'est pourquoi l'homme, ayant l'esprit de l'éternité, cherche Dieu jusqu'à le trouver. C'est pourquoi Dieu envoie des prédicateurs pour tomber sur ceux qui cherchent réellement, le cherchent réellement. Alléluia. Donc, l'Écriture va nous dire dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez ça en tête, hein? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a donné le Fils unique qui est Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ. L'Écriture va nous dire dans le livre de Jean 17, 3. La vie éternelle dont j'ai parlé dans Jean 3, 16, c'est la connaissance du seul vrai Dieu. Ah, l'Écriture nous dit que pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus. Alors, qui est ce vrai Dieu en qui nous, que nous devons connaître plutôt pour avoir la vie éternelle? Si Jean 3, 16 nous dit que le Fils de Dieu, c'est lui qui accorde la vie éternelle si nous croyons. Et la Bible va dire, la Bible va dire dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Alors, croire en Jésus-Christ veut dire quoi? Qui est ce seul vrai Dieu qui accorde la vie éternelle? Selon Jean 17, 3 et Jean 3, 16. Jésus. Ah, mais la sœur vient de dire que c'est Jésus-Christ, ce vrai Dieu. Pourquoi vous dites que c'est Jésus-Christ? Donc, la connaissance du seul vrai Dieu, en réalité, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Acclame le Seigneur pour sa vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi lisons dans Jean 1 Jean 5, le verset 20. Est-ce que vous notez les versets? 1 Jean 5, verset 20 à 21. 1 Jean 5, verset 20 à 21. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu. Nous savons, ça c'est la connaissance. L'Écriture dit dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Ici on dit nous savons. Maintenant, nous avons la connaissance.
Vous comprenez? Là-bas, on dit, dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, qu'ils savent que c'est toi le vrai Dieu. Maintenant, Jean va dire dans 1 Jean 5, 20, nous savons maintenant, nous avons la connaissance maintenant. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc le Fils de Dieu est venu. Celui qui a été envoyé selon Jean 3, est venu pour nous donner la connaissance du... connaissance dont a parlé Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Celui qui a été envoyé, c'est Jésus-Christ. Mais le véritable, c'est qui alors? Le vrai Dieu. Oui, continue. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Donc le Fils Jésus-Christ, le Fils là, c'est lui qui a encore envoyé le Fils. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a envoyé là. Mais c'est toi. Il est celui qui est venu. Il est Dieu. Quand il envoie, il est Père. Mais quand lui-même vient, il devient Fils. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de savoir qu'il y a un seul Seigneur Jésus-Christ qui est en même temps le Père et le Fils. Quand il envoie le Fils, son nom n'est pas encore révélé. Il est comme un Père sans nom. Est-ce que vous comprenez? Mais quand le Fils vient, le Fils en réalité, le Père qui révèle son nom. Le nom du Fils est en réalité la révélation du Père. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible, c'est le Père. Le Dieu visible, c'est le Fils. Ce n'est pas deux personnes. C'est Jésus-Christ. Quand il est invisible, il est Père. Mais quand il devient visible, il est Fils. Celui qui envoie... Voilà. Celui qui envoie est le Père. Jésus-Christ dans son invisibilité. Mais lorsqu'il vient, il est le Fils, Jésus-Christ Dieu, dans sa visibilité. Donc Jésus-Christ est le Père dans son invisibilité. Mais dans la visibilité, il est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus-Christ est le Dieu invisible et le Dieu visible. Il est le Père, il est le Fils. Oui. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez la tête que Jésus-Christ est Dieu, non? C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu. Qui est le Dieu véritable? Mais ouais, il m'a qui est le... Reprenez la phrase même. On va plus commenter. Nous savons. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes... Le véritable, c'est le vrai Dieu. Reprenez. Là où on met véritable, là, mettez vrai Dieu. Reprenez. Alléluia. Partout vous voyez véritable, mettez vrai Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Donc, Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes dans le vrai Dieu. En son Fils Jésus-Christ. Le vrai Dieu en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le vrai Dieu, qui est encore le Fils. Est-ce que vous comprenez? On dit que le vrai Dieu là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui le vrai Dieu a encore envoyé, c'est Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu, Jésus est Dieu. C'est
C'est lui qui est le Dieu, le vrai C'est Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. Et la vie éternelle. Acclame le Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Et la vie éternelle. Maintenant, tu as la connaissance du vrai Dieu. C'est ça, la connaissance du vrai Dieu. Si tu ne peux pas vivre une vie de sainteté sans connaître qui est Dieu. Si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est Dieu, tu seras comme les païens qui ont l'esprit, la pensée de l'éternité, mais qui ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ en réalité qui sauve, qui accorde la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. Et celui qui l'a envoyé, c'est encore Jésus-Christ. En réalité, de connaître qui est le vrai Dieu, ça c'est le Dieu invisible, Jésus-Christ, dans sa nature de paix. Le Dieu invisible, celui qui l'a envoyé, c'est lui-même Dieu qui est visible, qui devient visible, qui devient fils. Donc quand on dit vrai Dieu, véritable vrai Dieu, c'est Jésus-Christ en tant que Père. En tant que Père. Quand on dit, celui qui a été envoyé, c'est Jésus-Christ en tant que fils. Donc, il est le Père, il est le Fils, il est le Dieu visible, le Dieu visible. Acclame le Seigneur Jésus. Donc, nous avons la connaissance du vrai Dieu. Donc, c'est lui qui sanctifie. C'est lui qui sanctifie. C'est Jésus-Christ qui sanctifie. Donc, quand Esaïe va reconnaître son péché, il a été pardonné, expié. Donc là, comme Jésus-Christ est venu, il est le vrai Dieu. Il a opéré l'œuvre pour laquelle il est venu. L'œuvre de la croix. Et par cette œuvre de la croix, il t'accorde la sanctification gratuite. Est-ce que tu me comprends? Jésus t'accorde gratuitement la sanctification. Mais est-ce que toi, tu reconnais que tu es pécheur? Si tu ne reconnais pas que tu es pécheur, il ne peut pas te sanctifier. Maintenant, si tu reconnais que tu es pécheur, tu dois faire quoi? Renonce, abandon. Et quand tu renonces, tu abandonnes, lui te sanctifie. Chaque fois quand toi tu abandonnes un péché, Jésus-Christ te sanctifie. Mais ce n'est pas toi-même qui te sanctifie, c'est-à-dire, c'est pas en abandonnant le péché que tu as de te sanctifier, non. C'est pas la sanctification ça. Est-ce que vous me comprenez? Quand on dit marcher dans la sanctification, en réalité, c'est pas le vrai mot. Le vrai mot, c'est-à-dire renoncer au péché, abandonner, obéissez à Christ, renoncez à la suie et Christ vous sanctifie. Comment tu peux te sanctifier? Est-ce que Esaïe s'est sanctifié? Il s'est montré et abattu, il s'est montré pécheur et il a fléchi genoux. Et quand il a fléchi genoux, qu'est-ce que Dieu va le sanctifier? Alors, Jésus-Christ sanctifie, c'est lui qui sanctifie. La première étape, c'est lui. Et quand on lit Lévitique 20, verset 26, pendant la loi, même pendant la loi, Dieu avait exigé la sanctification. Lévitique 20, verset 26. Je vous ai séparé du milieu des peuples. Je suis saint, soyez aussi saint. Ça, c'est ce que Dieu lui-même a dit pendant la loi. Mais nous avons vu que tous ceux qui étaient pendant la loi, avant même la venue de Jésus-Christ, ils pratiquaient des rituels qui ne sont pas agréables à Dieu. Mon frère, qu'est-ce que les rituels que toi tu faisais dans le monde avant de connaître Jésus? Qu'est-ce que sont les rituels que toi tu faisais avant de connaître Jésus? Mais tu n'as pas fait de rituel une fois? Tu as consulté les marabouts une fois? Ah, quelqu'un pour me dire. Mais
C'est tellement, il y a des les gens qui avaient fait des... Voilà. Ah, et tu faisais quoi dans l'idolâtrie? Quelles sont les pratiques que tu faisais? Voilà, et tu faisais des pratiques, des cérémonies, on immolait les animaux, tout ça. Est-ce que ça te sanctifiait? Non. Ah, donc, ça ne te sanctifiait pas? Pourquoi ça ne te sanctifiait pas? Normalement, c'est, on immole les animaux, on prend le sang et on fait des sacrifices. Normalement, le sang des animaux que vous immolez et les choses que vous achetez, là, ça doit te sanctifier normalement. Oh, c'est le but des rituels, ça? Bon, si ça l'est, Azan et ton essin, il n'a qu'un ou deux oubliés, l'on est qu'un ou à Péoua. Si les gens qui sont dans le fétichisme ou bien dans les. Adorent les vaudous, si tu des personnes là, tu tues, ils vous égorgent ou bien commettent le péché là, l'adultère, ils vont aller voir les féticheurs pour s'espier. Vous savez ça, non? Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Oui. C'est pas le sang qui doit vraiment expier. Non, ce n'est pas le sang n'est pas le sang qui doit expier. Mais c'est quel sang? C'est le sang de qui? Acclame le Seigneur Jésus. Donc, Dieu avait donné ce commandement, soyez saints comme je suis saint. Mais avant même que Jésus-Christ n'arrive, Jésus n'est pas encore venu. C'est Jésus qui sanctifie. Dieu dit, soyez saints. Mais est-ce qu'ils peuvent être saints comme ça, sans celui qui sanctifie? La Bible dit que la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, sont le vrai Dieu. De Exode jusqu'à Malachie, est-ce que Jésus-Christ était révélé? Est-ce que Jésus-Christ était réellement venu? Hein? Est-ce que Jésus-Christ était réellement là? Son esprit parlait en disant, soyez saints. Abandonner le péché, renoncer au mal. Il ne peut pas être saint parce que c'est Jésus-Christ qui sanctifie. C'est lui que Dieu a envoyé pour sanctifier. Et comme le temps où Jésus-Christ devait venir n'est pas encore arrivé, Dieu les avait donné des procédés pour comme des procédés temporels. C'est pas la vérité, c'est pas la réalité. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous soyez saints. Je veux que vous soyez saints comme je suis saint. Mais comme celui que j'enverrai qui va vous sanctifier n'est pas encore arrivé, je vais créer des figures, des images, des procédés qui seront comme des préfigurations, c'est-à-dire des annonces, des étapes qui vont annoncer ce que je vais faire pour vous sanctifier. Est-ce que vous comprenez le langage? Je veux vous sanctifier, c'est ma volonté de vous sanctifier. Je veux que vous soyez saints. Mais le temps où le Fils qui doit vous sanctifier n'est pas encore arrivé, je formule des procédés pour vous. Si vous péchez là, prenez un animal, allez au temple, au sanctuaire, allez au tabernacle, voyez les sacrificateurs. Ils prennent votre péché, ils transfèrent dans l'animal. Ils brûlent, ils immolent l'animal. Ils vont apporter son sang dans un lieu appelé le saint. Voilà comment se passait le modèle qui annonce la vraie sanctification. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les sacrificateurs vont prendre le sang des animaux et répandre le sang des animaux pour laver, pour purifier les ustensiles du tabernacle et même purifier pour pouvoir rendre la sanctification. Or, ce n'est pas parfait. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'effusion selon la loi. L'effusion du sang. Or, la Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de pardon de péché. Mais selon la volonté de Dieu, est-ce que c'est le sang des animaux qui va purifier? Non. C'est le sang du Fils qui sera envoyé, qui est destiné pour purifier. Alors, tous les sacrifices qu'il faisait là, c'est en vain.
Donc, il n'était pas sanctifié. Il n'avait pas été sanctifié. Est-ce que vous comprenez? Quand est-ce que ceux-là vont être sanctifiés? Quand est-ce que les hommes peuvent être sanctifiés? C'est l'apparition du Fils et son levant à la croix. Le corps que Jésus a porté est en réalité le temple même de Dieu. Ceux qui étaient dans la loi qui allaient au tabernacle allaient pour l'expiation de leur propre péché. Et le tabernacle même était l'ombre des choses à venir. Le temple même d'Israël était l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant que Jésus-Christ est lui-même le corps, nous allons lire. Allons-y dans Colossiens 2. Colossiens 2. Nous sommes en train de parler de la sanctification. Vous allez comprendre que la sanctification là, c'est pas compliqué. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui sanctifie. C'est Christ qui sanctifie. Mais comment toi tu dois faire pour être sanctifié? C'est ça le problème. Nous allons expliquer, nous allons donner le détail des éléments que toi tu dois faire pour être sanctifié. Oui. Oui. Commencez par le 15, je veux voir. Colossiens 2, verset 15. Non, le 17, lisez-moi le 17. Voilà. Verset 17. Je lis au nom de Jésus. C'était l'homme des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Ah, donc tout ce qui se passait là, c'était pas la réalité, c'est pas le vrai. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas le vrai. C'était comme une ombre. Est-ce que vous voyez, par exemple, photocopie et l'original? Est-ce que la photocopie est même que l'original? La photocopie n'est pas conforme forcément à l'original, mais on voit que c'est les mêmes choses. C'est les mêmes détails qui sont dedans. Mais les deux papiers ne sont pas les mêmes. Donc tout ce qui se passait avant là, c'est comme une photocopie de l'original. Donc ces temples, ces tabernacles, tout cela sont en réalité l'image du corps de Jésus-Christ. Les animaux qu'on immolait, c'est en réalité l'image du corps de Jésus-Christ qui sera sacrifié. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la croix? Jésus-Christ est lui-même le temple, le corps. Et le corps que Jésus-Christ a donné à la croix, c'est le corps qui a été destiné pour nous sanctifier. Donc, dans le corps de Jésus sont transférés tous nos péchés. Tous les péchés de l'humanité. C'est ce qu'on appelle la substitution. Christ s'est remplacé. Il s'est fait pécheur. Il n'est pas pécheur, mais il a reçu tout le péché de l'humanité dans son corps. Comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Or, dans la loi, les gens allaient prendre des animaux et les sacrificateurs mettent le péché de la personne dedans, transfère ça dedans. Impose les mêmes pour ça. Mais aujourd'hui, le corps même de Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix, c'est ce corps maintenant qui a été sacrifié. Et un frère, quelqu'un parlait des sacrifices, des idoles, et tout ça, des animaux, tout ça. Maintenant, Jésus-Christ, c'est ce sacrifice parfait qui accorde la sanctification. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que tu comprends? Allons-y dans Hébreux 10. Hébreux 10, Hébreux 10, le verset 10. Hébreux 10, verset 10. Le verset 10, je lis au nom de Jésus. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. La volonté pour laquelle Christ est allé à la croix. Pour être le meilleur corps, le meilleur sacrifice. Ce n'est plus les animaux, les agneaux terrestres physiques. Mais c'est l'agneau, le seul agneau qui est le corps même qui a été sacrifié, livré à la croix. Pour notre purification. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Pas l'offrande du corps de Jésus. C'est pas le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ, son corps. Une fois pour tout temps, nous avons été sanctifiés.
C'est en vertu de l'enfant. C'est en vertu de cette offrande que nous sommes sanctifiés. L'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Donc, normalement, ça doit nous réjouir. Normalement, vous devez acclamer le Seigneur pour ça. Parce que Jésus-Christ nous a sanctifiés une fois pour toutes. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas nous-mêmes obéi, comme je l'ai dit, nous n'avons pas renoncé au péché. Non, non, non. Beaucoup disent que, comme Jésus-Christ l'a fait à la croix une fois pour toutes, en même temps, je suis déjà sauvé, je n'ai plus besoin de me sanctifier, il a fait ça une fois pour toutes. En réalité, pourquoi il a fait une fois pour toutes? Il a fait une fois pour toutes pour que nous soyons saints, pour que nous soyons, pour que notre corps soit le temple de Dieu. Pour que nous puissions nous approcher du lieu très saint. Pour que nous puissions avoir miséricorde. Pour que nous puissions aller au trône de la grâce. Sinon, s'il ne le faisait pas une fois pour toutes là. Même s'il il faisait à la croix. Et que ce n'est pas déclaré, ce n'est pas fait une fois pour toutes pour nous là. Malgré ça là, il y aura encore l'immolation des animaux. Et ce sera enlevé le sacrifice. Mais il a fait une fois pour toutes. Ce n'est plus, on va chercher le corps de Jésus. Peut-être en Israël, on ira sacrifier chaque fois qu'on pêche. Non, non, non. Il a fait une fois pour toutes. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que nous puissions nous approcher par la repentance. Lisons le verset 22. Hébreux 10, verset 22. Parce que Christ l'a fait une fois pour toutes. En donnant son corps comme promesse, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous devons faire? Approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. La plénitude de la foi. Les cœurs purifiés du mauvais conscience. Les cœurs purifiés du mauvais conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Et le corps lavé d'une eau pure. Ici, on parle, on nous invite parce que Christ l'a fait. Une fois pour toutes. Donc, Christ aurait voulu à son nous devons être. Ça, l'écriture parle de la repentance. L'écriture parle de la foi, de la repentance et du baptême d'eau. C'est important. Parce que Christ l'a fait une fois pour toutes. Et que Christ est venu avec de l'eau, du sang. Et l'esprit, ça c'est 1 Jean 5-7, ce qui veut dire que, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, Christ est venu pourquoi? Pour que nous soyons immergés, baptisés d'eau, physiquement. Ce baptême d'eau ne purifie pas les péchés, non. Mais ça fait quoi? C'est un engagement de bonne conscience devant Dieu. Qu'est-ce qui purifie les péchés? C'est la repentance. Qui fait quoi? La conversion des péchés, la repentance qui nous fait approcher avec un cœur sincère de la plénitude de la foi. Donc, avant d'être baptisé d'eau, il faut s'approcher de lui par la repentance sincère dans la plénitude de la foi. Parce que la foi vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ nous invite à nous repentir. Gardez ce verset. Allons-y dans Jean 14, le verset 6. Ça, c'est la sanctification. C'est le Seigneur qui le fait. Mais nous devons être. La repentance est obligatoire. La sincérité de cœur est obligatoire. Passe Jean 14, 6. Jean 16, le verset. Le verset. 8. Je lis au nom de Jésus. Uh-huh. Et quand il sera venu. Ici, il s'agit du Saint-Esprit qui succède Jésus-Christ dans la chair. Quand Jésus-Christ dans la chair a été enlevé à la droite de Dieu, le Saint-Esprit a été envoyé. Et le Saint-Esprit a pu de faire quoi? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ah, le Saint-Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. La justice et le jugement. Et le jugement, c'est bon. Donc, si le Saint-Esprit te convainc, c'est ça l'exemple de Esaïe qui est une ombre qu'on a compris.
Il faut que le Saint-Esprit te convainc. Il faut que ton cœur soit convaincu du péché. C'est ça. Si ton cœur est convaincu que tu es pécheur, en même temps, tu t'approches de lui avec un cœur sincère. Et t'en purifies d'une mauvaise conscience. Ça, c'est l'engagement de bonne conscience. Et ton corps physique sera lavé par l'eau de baptême. Tu seras purifié par le sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, la sanctification, c'est Christ qui nous l'accorde par l'œuvre qu'il a fait à la croix. Comme une promesse, ce n'est pas encore accompli sur nous. Comment ça va être accompli sur toi? Comment la sanctification sera accomplie sur nous? C'est une promesse à la croix. Christ ayant offert son corps, l'a fait une fois pour toutes, comme gage, pour nous donner l'assurance. Mais comment nous devons garder notre sanctification? Comment nous devons rechercher la sanctification qui a été accordée à la croix? C'est en faisant quoi? J'ai parlé de la repentance. La repentance est obligatoire. Mais avant la repentance, il y a quoi? La confession des péchés. Tu ne peux pas te repentir sans confesser ton petit péché au Seigneur. Et avant même la confession des péchés, il faut la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et c'est ce qu'on entend de la parole du Christ qui convainc du péché. C'est ça l'esprit qui convainc du péché. La justice du jugement. Donc, la foi, la plénitude de la foi te conduit à la confession des péchés. Vous étiez mort par vos offenses et vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu... qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, il, 6. Il nous a ressuscités ensemble. Ça, c'est la nouvelle naissance. Tu étais mort, tu es devenu une nouvelle naissance, tu es ressuscité. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous avons dit que le pays, c'est où? Le ciel. Donc ici, on dit que pour que nous soyons célestes, il nous ressuscite parce que nous étions morts dans le péché. C'est bon. Christ est le premier né d'entre les morts. Donc la résurrection de Christ d'entre les morts nous a donné aussi la résurrection d'entre les morts. Cette mort dont je parle ici, c'est la mort spirituelle et la mort dans le péché, la mort dans les offenses dans le monde. Donc, Christ te t'accorde la résurrection qui te donne une nouvelle naissance. Et tu deviens un citoyen du ciel. Tu deviens citoyen du ciel. 1 Corinthiens 15. Nous sommes déjà à la fin. Nous allons donner quelques versets sur la sanctification. Nous allons clôturer. 1 Corinthiens 15. Je viens. 1 Corinthiens 15, le verset. Voilà. Le verset, du verset 46 au verset 49. J'ai lu au nom de Jésus. Donc, on tient 15, 46, verset 49, oui. Mais ce qui est spirituel n'est ce pas le premier. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Lorsque tu étais dans le péché, ton esprit a été acté par le péché. Tu n'es plus spirituel, mais tu es devenu homme animal. Parce que l'homme animal, c'est un homme ayant une âme et un corps. Un homme dont l'esprit qui est la lampe de Dieu est éteinte. L'esprit est sué. Donc Dieu ne voit plus son esprit. Mais l'homme spirituel, c'est celui dont son esprit qui était mort par le péché, est ressuscité, purifié, régénéré, réveillé pour la lampe. Maintenant, le verset dit, verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Terrestre.
Le second homme est du ciel. Ah, Jésus-Christ, le premier c'est Adam, le second c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est du ciel. Tu es du ciel. Alléluia. Parce que tu es à l'image de Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Et ces choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus citoyens du ciel. Hein? Tel est le terrestre. Uh-huh. Tels sont aussi les terrestres. Uh-huh. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Alléluia. Qui est le céleste? C'est Jésus-Christ. Tel est aussi nous qui sommes les célestes. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, allons-y dans le livre. Maintenant, quand tu acquiers la nouvelle naissance et que tu deviens un homme régénéré, transformé, renouvelé, tu reçois la résurrection spirituelle. Maintenant même, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême même de la révélation de la personne et de l'œuvre que Dieu veut faire dans ta vie. Et c'est là maintenant tu seras maintenant intime avec lui. Tu seras, tu vas persévérer dans ta vie maintenant, c'est bon, de sanctification. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il t'aidera à pratiquer la parole de Dieu, à marcher selon la loi de Dieu, à marcher selon la volonté de Dieu. Il te clairera sur la vérité pour que tu ne tombes pas dans le péché. Lorsque le péché vient à ta porte, il te donne la force de vaincre le péché. Le Saint-Esprit vient continuer l'œuvre que Jésus-Christ a fait dans la chair. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'orienter. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie par la sanctification? Allons-y dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est le Saint-Esprit qui fait tout, mais nous avons dit que tu dois renoncer. Repentance. Approcher de lui avec un cœur sincère. Ayant une conscience purifiée, lavée de tout péché. Hein? 5, 23. Verset 23. Je lis au nom de Jésus. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Qui est le Dieu de paix? C'est lui qui sanctifie, nous avons compris. Et que tout votre être, L'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il faut que ton esprit soit régénéré. Ton esprit soit ressuscité, ton âme soit délivrée de la main de la perdition et que ton corps puisse avoir la rédemption pour aller au ciel. Bon les gars, gloire à Jésus. Ok, que le Seigneur soit glorifié. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va dire à son peuple ce matin? Par rapport à cet enseignement. Lisez 1 Timothée 4. Non, 1 Thessaloniciens 4, 3. En écoutant cet enseignement, qu'est-ce que le Seigneur va te dire ce matin? 1 Thessaloniciens 4, 3. Verset 3. Ce que Dieu veut. Ah, ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour moi. Ce que Dieu veut pour nous tous. C'est votre sanctification. Notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Notre sanctification, c'est que nous, la Seigneur qui nous concerne. Ce que tu as fait là, lui l'a fait déjà. Hein. Lui l'a fait. C'est pas que après il va le faire encore. Il l'a fait. Il l'a fait pour toi, une fois pour toi, une fois pour toutes. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Ta sanctification, c'est quoi? C'est de faire quoi? De t'abstenir de l'impudicité. C'est-à-dire de t'abstenir du péché. De t'abstenir de l'iniquité. Et en le faisant, Dieu te sanctifie. C'est ça la sanctification. C'est pourquoi il dit dans Rome, Hébreux 12, 14, recherchez la paix, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix, la sanctification. Comment rechercher la paix? Rechercher la paix par le fruit de l'esprit, mentionné dans le livre de Galates 5, 22. La sanctification, en faisant quoi? En travaillant à ton salut, en renonçant au péché. Et en persévérant dans la justice. Donc, nous sommes à la fin pour être une vie de sanctification. Ça dit, il faut faire confiance au Saint-Esprit. Il faut reconnaître qu'on est pécheur. Quand tu reconnais que tu es pécheur, c'est pas la connaissance de Dieu que tu reconnais que tu es pécheur. Quand tu reconnais que Jésus est saint et que toi tu es hors terre, tu es pécheur.
Et quand tu reconnais que Jésus est Dieu, et que tu reconnais que tu es pécheur, tu t'approches vers Dieu et te pardonne. Tu te baptises. Et c'est la nouvelle naissance. Par cette nouvelle naissance, par cette repentance, cette nouvelle naissance, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu te permets de connaître les profondeurs de Dieu, de marcher selon l'Esprit de Dieu pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et après cela, tu pourras maintenant vivre une vie de sanctification. En faisant quoi? En obéissant à Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Philippiens 2:12, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Après l'obéissance, là, le renoncement. Toujours, tu dois toujours renoncer. Ce n'est pas une seule fois. Christ t'a fait une seule fois, mais toi, renonce. Chaque fois, quand tu renonces, la sanctification s'applique à toi. C'est clair, hein? Après ça, la persévérance. C'est pourquoi le livre de Matthieu 24, 13 dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc ça montre qu'il y aura des chutes. Il y aura des chutes sur le chemin. Tu tomberas quelque part. Mais tu dois persévérer dans la sanctification pour atteindre la vie éternelle. Le dernier verset que nous allons lire, c'est dans 2 Corinthiens 7, 1. Nous allons clôturer l'enseignement. 2 Corinthiens 7, le verset 1. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Oui. Je lis au nom de Jésus. Mm-hmm. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifiez-vous. Quelles sont les promesses? La vie éternelle. Les promesses, la sainteté. Purifions-nous de toute souillure de la chair. De la chair. Et de l'esprit. De l'esprit. En achevant notre sanctification. En achevant notre sanctification. Dans la crainte de Dieu. Donc ça montre que la sanctification, c'est un parcours. Nous devons achever notre sanctification. Qui consiste à s'abstenir. À l'abstinence. Au renoncement. Et tu commences depuis que tu crois en Jésus. Juste. Qu'à la fin de ta vie, à la mort ou à l'enlèvement de l'église. C'est ça la sanctification. Et cette sanctification qui commence par la foi, la repentance, la sanctification, le renoncement, tout, la persévérance, le baptême du Saint-Esprit, tout ça. La nouvelle naissance, cette sanctification t'amène où? T'amène à la sainteté. C'est là maintenant tu pourras, on dirait la sainteté, parce que la sainteté, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons saints. Dieu veut notre sainteté. Mais pour que nous parvenions à la nature de Dieu qui est la sainteté, pour que nous soyons aussi saints, comme Dieu est saint, nous devons mener une vie de sanctification, comme l'Écriture l'a dit. Donc, en renonçant quoi? Les yeux de la chair, l'impudicité, l'animosité. Acclame le Seigneur Jésus. Donc, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus.